Bueno, y en el stand de Renault tenemos la suerte de encontrarnos con Monsieur Jean Ranotti, bueno, reconocidísimo piloto, siempre ligado a los colores de Renault, ha corrido con muchísimos autos, pero bueno, justamente con el Renault 5 es que ha logrado tal vez su éxito más resonante, la única victoria de Renault 5 Turbo en el grupo B de Rally. Bienvenido, Monsieur Ranotti, enchanté de conocer. Merci, merci. Bonne journée. ¿Puede contarnos un poco cómo fue su historia deportiva, cómo empezó y cómo llegó a querer tanto o a enamorarse de la marca Renault? Alors, moi, j'ai débuté à 22 ans et c'était avec une Renault 8 Gordini. Uh-huh. Et donc, à cette époque-là, j'étais chauffeur de camion. Et j'ai économisé 3 années pour acheter la Renault 8 Gordini. Uh-huh. Et j'ai commencé la compétition en 1967. Et avec des très bons résultats, rapidement. Et après, je suis passé pilote professionnel 3 ans après, en 1970. Ok. Bueno, Froilán González era también chofer de camión. Ah, sí, sí. ¿Sabía? No sabía. Bueno, cuéntenos un poco cuáles fueron los autos de la marca Renault que usted manejó, cuál le gustó más, cómo porque seguramente había diferencia en el manejo de unos a otros, diferencia de potencias. Sí, alors j'ai pu conduire des voitures très différentes chez Renault. Des voitures avec pas beaucoup de puissance, des voitures avec beaucoup de puissance, et quelquefois des voitures à traction, quelquefois à propulsion. Uh-huh. Donc j'ai conduit des voitures même en monoplace en circuit, parce que j'ai fait un peu toutes les disciplines du sport automobile. J'ai fait les 24 heures du Mans, avec Renault aussi également. Yeah. ¿Cuál fue el auto que más les gustó manejar? Alors là, ma voiture, il y a deux voitures que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. C'est au début la Renault 8 Gordini, et après la version de la 5 Turbo, mais la version Maxi, Maxi Turbo. La Maxi 5 Turbo, celle-là, c'est la plus puissante, la plus spectaculaire pour le pilotage, et surtout très intéressante quand nous faisions des démonstrations, des shows, où il n'y a pas le chronomètre. Si. Alors là, pour le spectacle, c'est la Maxi 5 Turbo, ça a été extraordinaire. Con ese auto, usted ganó en la Tour de Corse del 1985, frente a autos mucho más potentes con tracción de integral. Sí, la Maxi 5 Turbo, nous avons eu en rallye 360 chevaux, uh-huh, et en version Super Tourisme sur la piste, nous avions presque 400 chevaux. Ouais. Okay. C'était très, très, très intéressant. Ahora, ¿a qué se dedica ahora que está retirado? ¿Viene a disfrutar de los autos y de la compañía de la gente de Renault? Alors, depuis que j'ai arrêté la compétition, à la fin 1996, donc depuis 1997, j'ai un contrat qui a changé. Ce n'est plus un contrat seulement de pilote, mais j'ai un rapport avec le marketing, avec la communication. Et actuellement, depuis plusieurs années, je suis avec Renault Classique, qui gère tout le patrimoine de Renault. Et donc, j'ai souvent l'occasion de conduire des voitures très différentes qui sont au patrimoine de Renault et qui sont entretenues par notre équipe. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de conocerlo. Fue un placer. Permítame estrecharle la mano. Merci. Y será hasta la próxima. A ver cuándo nos visita en Argentina. Sí, es posible. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Bueno, como pueden ver, no solamente vehículos Renault hay en el stand de Renault. Es una marca que obviamente entre los franceses mueve muchísimo y hay muchos stands donde se muestran vehículos de la marca y obviamente servicios para restaurar, repuestos y demás. Renault es una marca, una de las más queridas, obviamente los franceses sabemos que son muy nacionalistas y tanto Renault como Citroën y Peugeot mueven muchísimo. Nosotros tenemos muchísimo más para mostrarles, así que los invito a que sigan acompañándonos en este programa. No tenemos más espacio
pero vamos a seguir recorriendo Retromobil 2017 para ustedes y vamos a mostrarles lo más que podamos. Muchas gracias.